una bola enorme de concreto que cae en un fondo de metal, rodeada de agua de mar. Comme il est difficile de décrire un son que l'on a en tête, de dresser le portrait robot d'un bruit qui nous a touchés, émus et qu'on aimerait partager malgré son absence. L'image peut nous évoquer un son, une musique particulière. Un tableau peut provoquer de nombreuses interprétations sonores et même faire jouer les cordes sensibles de certains mélomanes. Au temps du muet, comme le son ne pouvait être transcrit à l'écran, il fallait trouver des stratagèmes pour le faire exister. Il fallait trouver une image qui donne un son. Par exemple, chez Alfred Hitchcock, lorsque des personnages entendaient les pas d'un voisin de l'étage du dessus. L'arrivée du parlant, du cinéma sonore, a changé la donne. Le son et l'image sont maintenant associés à l'écran. Ils sont indissociables pour la plupart des spectateurs contemporains. Pour être plus proche de la réalité, pour un effet plus naturaliste du cinéma, ou pour une expérience plus complète. L'artiste américain Joseph Gregley, devenu sourd à l'âge de 10 ans, cherche à garder des traces de conversations sur des bouts de papier. Il parle alors d'une nouvelle forme qui occupe l'espace. Ce geste artistique souligne l'impossibilité d'une restitution exacte des conversations. Pouvons-nous traduire fidèlement un son en image? Ne s'agit-il pas de choses intrinsèquement différentes? Cela a quelque chose de révélateur. Nous aimons lier un son à une image pour y créer du sens, qu'il soit vraisemblable ou fantaisiste. Mais peut-on prendre le son pour ce qu'il est, sans le désir de le raccorder à une image ou à des images? Question paradoxe, deux autres problèmes surgissent. Comment voir le son? Comment entendre une image? Quelques gestes formulés en l'air, joués sous nos yeux, peuvent nous offrir un éventail de sons imagés, une véritable partition visuelle, comme une réponse inédite à nos attentes d'auditeurs.